Vraiment, je pense si Zidane, elle va bientôt arriver, ainsi sa mon sous peu à Paris Saint-Germain. Si la personne qu'il manquait à nous, c'est l'élément manquant de Paris Saint-Germain, je préparais la grand contrat pour lui, je préparais à lui le grand poste, vraiment beaucoup, beaucoup les avantages pour lui. Zinedine Zidane, si pour moi meilleur joueur de l'histoire, si meilleur entraîneur, si meilleur calvitie nationale, si vraiment le plus fort, je pense qu'il mérite d'avoir une casquette pour cacher sa calvitie, parce qu'il faut protéger si quand même calvitie magnifique, il faut pas faire blessure à elle. Si calvitie qui supporte tout, il supporte le soleil, le vent, la pluie, la grêle, il supporte tout. Vraiment, la calvitie de lui, elle avoir une force physique incroyable. J'aimerais donner cette force physique à l'effectif entier. Comme ça, on peut voir passer la poule, on peut voir gagner la Champions League, on peut voir faire la grand match. Je pense la sucrée de la réussite de lui, la puissance physique, la mentale qu'il a, si tout ça caché dans calvitie à lui. Il faut faire la recherche poussée, il faut appeler la scientifique, il faut aider nous à trouver ça. Et on va inculquer ça, les joueurs à nous, on va faire la grand travail ensemble. Zidane Zidane, si vraiment la présidente nationale, internationale, intermondiale, intergalactique de la calvitie de la Terre, si lui qui a eu la première calvitie à la monde, c'est-à-dire elle a eu la calvitie toute petite, il était encore enfant, c'était encore la jeune premier, elle avoir déjà la coupe à son grand-père, c'est quand même magnifique d'avoir ça déjà jeune. Capillairement, elle a traversé les époques directement. À 5 ans, elle avait déjà commencé à perdre les cheveux. Vraiment, elle connaissait déjà avoir la perte de cheveux, les cheveux qui disparaissent, le crâne qui prend un peu plus la place. Maintenant, c'est devenu la championne, en avoir besoin de lui.